Salut tout le monde, c'est Atomania et on se retrouve pour mon nouveau let's play sur Pokémon version Ruby. Je le fais quelques mois avant la sortie officielle de Pokémon Saphir Alpha et Ruby Omega. Et oui, c'est un nouveau let's play, je sais. Et c'est parti. Ouais, la pile internet épuisée, on s'en fout. Nouvelle partie. Bonjour, désolé pour l'attente. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Seko. Mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Ouais, un Azuril. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Nous, les humains vivant avec des Pokémon, il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois, nous réunissons pour nous affronter au cours de formidables combats. Mais malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer le mystère des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier. Je suis chercheur. Et toi, qui es-tu? Es-tu un garçon ou es-tu une fille? Moi, je suis un garçon. Très bien. Comment t'appelles-tu? On va mettre un nouveau nom. Mais il n'y a toujours pas la place pour écrire Atomania. Donc, on va mettre Atom, comme d'habitude. Tu t'appelles Atom? Ah, mais c'est vrai. Tu es Atom. Tu viens d'arriver à Bourg-en-Vol, où j'habite. Non, c'est vrai? Je me souviens maintenant. Bon, comment te sens-tu? Moi, ça va, hein. Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon, où tu vivras de belles aventures, remplies de rêves et d'amitié. Bien, rejoins-moi plus tard. Viens me voir au labo, Pokémon. Ok, on va aller te voir au labo. Premier véhicule des jeux Pokémon. On va peut-être voir ça dans la version Ruby Omega ou Saphir Alpha. Et moi je prendrai la version Saphir Alpha parce que j'ai pris la version Saphir quand j'étais petit. Donc c'est évident, je vais prendre la version Saphir Alpha. C'est fatigant de voyager avec les meubles dans le camion de déménagement. Voilà, c'est pour un vol. Tu trouves ça comment? C'est notre nouvelle maison. Ça paraît un peu pittoresque, mais agréable à vivre. Tu ne trouves pas? Et tu as ta propre chambre, Atom. Allons voir. Alors, Atom, c'est joli ici, non? Les Pokémon déménageurs font tout le travail et nettoient après. C'est vraiment pratique. Atom, ta chambre est à l'étage. Va voir à quoi elle ressemble, mon chou. Papa a acheté une nouvelle horloge pour fêter notre déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. Et ben on va la mettre à l'heure. Alors on va retirer la fameuse potion. Et on va aller dans les options. Test 3. Non. Ah oui, stéréo, oui, pour vos oreilles. Non, voilà. Ah, j'aime bien ceux-là. J'aime bien ceux-là. Voilà.
Bon, on va mettre cette horloge à l'heure. L'horloge est arrêtée, il va la mettre à l'heure. Il est 14h43. Enfin, à l'heure où je tourne. Ouais, c'est à peu près comme ça. Voilà. Atom, ta nouvelle chambre te plaît? Excellent, tout est bien rangé. Ils ont fini le déménagement aussi. En bas. Ces déménageurs Pokémon sont vraiment très pratiques. Oh, assure-toi que tes affaires se trouvent bien sur ton bureau. Ouais, j'ai juste un cahier. C'est une Nintendo GameCube. Une Game Boy Advance est branchée dessus et sert de manette. Ouais, avec le câble. En fait, c'est pas une Game Boy Advance, c'est une manette GameCube. Hein. Mais bon. Oh, Atom, viens, vite, viens voir. Ta-da-da. Regarde, c'est la reine de Clémentiville. On va peut-être en voir papa. Ce reportage vous a été présenté devant la reine de Clémentine. Oh, c'est terminé. Ils ont sûrement interviewé papa. Mais on l'a raté, dommage. Ah, tiens, l'un des amis de papa vit ici. Il s'appelle Prof Seco. C'est notre voisin. Tu pourras aller lui dire bonjour et te présenter. D'accord. Alors oui, contre le... avec le combat de New Titeuf, oui, ce combat était épique. Mais n'empêche, il a failli gagner, hein. Heureusement qu'il a raté son éclat magique. En tout cas, GG à toi. Oh, bonjour, qui es-tu? Oh, tu es Atom, nos maisons sont voisines. Notre fille a le même âge que toi. Notre fille avait hâte de te connaître. Tu devrais aller les voir à l'étage. Eh ben, allons la voir. Alors, je posterai cet épisode, bien entendu, en avant-première, soit aujourd'hui, aujourd'hui, alors, au jour où je tourne, soit demain, demain, mercredi, normalement. Pokémon en pleine santé, objet prêt, et, hein? Panama, hein, qui es-tu? Hein, qui es-tu? Oh, tu es Atom, donc tu as emménagé aujourd'hui. Je m'appelle Flora, enchanté de te rencontrer. J'ai rêvé que tous les Pokémon du monde entier devenaient mes amis. J'ai entendu parler de toi, Atom, par mon papa, le prof Seco. J'espérais que tu serais sympa, Atom, et qu'on pourrait devenir amis. Oh, c'est un peu bête, non? Je te connais à peine, Atom. Hihi. Oh, non, j'oubliais. Je devais aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. On se retrouve plus tard, ok? Ok. Oh, t'as une GameCube comme moi. Et t'as une horloge rose. Ah, la musique, franchement. Nickel. Quelqu'un crie sur cette route, je l'entends. Que dois-je faire? Que devons-nous faire? Quelqu'un doit aller l'aider. Ouais, mais... À l'aide! Ouais, je lui ai fait une drôle de voix. Salut, toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Ok. Alors, lequel je choisis? Je sais pas... Gobou? Poussifeu? Ou Arco? Je sais pas, j'ai bien envie de prendre un Chapignon, moi. Enfin, un Balignon. Donc... Bah, on va choisir Gobou! Allez, Gobou, utilise charge! Tu as enlevé plus de la moitié de sa vie. GG! GG, Gobou! Ouf! J'étudiais les Pokémon sauvages dans les hautes herbes quand il m'a sauté dessus. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh! C'est toi, Atom! C'est pas un endroit pour discuter. Passe me voir au labo Pokémon, ok? Ah, la musique, c'est ma préférée. Alors Atom, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon.
Mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat. Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines après tout. Je sais ce que je vais faire. Pour te remercier, je vais te donner le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Atom reçoit Gobou. Si tu veux, tu peux donner un surnom à ton Gobou. Non. Si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. En ce moment, Flora étudie les Pokémon sur la route 103. Ce serait une bonne idée d'aller voir Flora. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Oh, je t'en prie, tu devrais y aller. Mais non. Oh, mais tu comprends quand je te dis non? Oh, je t'en prie, tu devrais y aller. Bon, d'accord. Super, ça fera plaisir à Flora. Demande-lui de t'apprendre en quoi consiste la vie de dresseur. Mais moi, je voulais pas. Allez, bah, on va voir cette Flora. Allez. Et, il veut qu'on aille voir sa fille contre notre regret. Franchement. Alors, sur quoi on va tomber? Un Zigzaton. Franchement. Allez, charge. Ah, dommage. Ah. Ouais, c'est bien, tu baisses mon attaque, oui. Oh, t'as raté. Allez. Mais en même temps, il baisse mon attaque, donc c'est normal que je retire 3 points de vie hein, à chaque fois. Oh, coup critique! Oh, GG! Gobou a gagné, ouais. J'ai gagné 25 points d'expérience. On va aller, on sent le Pokémon parce qu'on a utilisé des charges quand même. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Oui. Ok, je vais prendre vos Pokémon un instant. Bah, voulez-vous les soigner? Bah, c'est un peu pour ça que je viens en fait. Hein. Je viens un peu pour ça. Hein. Encore merci et à bientôt. Ouais, c'est ça, oui. Alors, bonjour, je travaille dans une boutique Pokémon. Je peux t'emmener avec moi? C'est une boutique Pokémon, on la reconnaît à son toit bleu. Nous vendons divers produits dans les Pokéballs pour attraper les Pokémon. J'aimerais que tu prennes ça comme si c'était une offre promotionnelle. Obtenu, potion! Atom, mais potion? Non, poche, objet. Une potion s'utilise à tout moment, alors dans certaines situations, c'est plus pratique qu'un centre Pokémon. Ok! Allez, on va voir si on sait une maison. Les musiques de ce jeu sont très belles. Franchement. Quand un combat de Pokémon commence, c'est celui qui est à gauche. Quand un combat de Pokémon commence, c'est celui qui est à gauche de la liste. Part au combat le premier. Donc, quand tu auras plus de Pokémon dans ton équipe, tu pourras modifier l'ordre des Pokémon. Ça pourrait te donner l'avantage. Non, c'est vrai? Enfin, ouais, pour la ligue, oui. Ah, cette maison-là m'intrigue, on va aller voir. Voilà. Lorsque les Pokémon se battent, ils gagnent de l'expérience et deviennent plus forts. Non, mais je le savais. Si les Pokémon de ton équipe deviennent plus forts, tu pourras voyager plus loin. Je sais. Qu'est-ce que tu vas me dire, toi? Tu me regardes bizarre. Je vais faire une pause, alors je sauvegarde ma partie. Oui. Oui, je sais. Route 103. Mon Pokémon est terriblement fatigué, j'aurais dû apporter une potion. Et bah, c'est dommage. Ah, un Pokémon. Un Medina. Qui est une hyène. Allez, charge. Tout à l'heure, il faisait... Ouais, il faisait mal, mais en même temps, le Medina était au niveau 2, donc c'est normal. Allez. Yes. Ah, un coup critique, quoi, mais... Alors, Medina, ça va jusqu'à... Oui, je monte au niveau 6. J'apprends coup de boue.
Et en plus, j'ai vu que j'approche des 100 abonnés. Ce qui me fait super plaisir quand même. Ouais, ça me fait super plaisir de voir que j'approche des 100 abonnés. Mais c'est pour ça que je viens soigner mes Pokémon. C'est pour ça que je viens, hein. Non mais franchement, cette question-là est débile, quoi. Route 103. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, ben, je vais poster l'épisode soit ce soir, soit demain. Mais normalement, le deuxième épisode devrait apparaître... quand le let's play de Pokémon sera presque terminé. Enfin ouais, le Pokémon Stadium sera terminé, oui. Et... Parce qu'en fait, il y aura une pause où je ferai XP mes Pokémon dans Pokémon Rouge. Car j'aurai l'intention de battre Mewtwo. Donc cette pause sera certainement après la ligue. Voyons, les Pokémon trouvés sur la route 103 comprennent. Oh, salut Atom. Je vois, mon père t'a fait cadeau d'un Pokémon. Puisqu'on est là, on n'a qu'à se faire un petit combat. Je vais te montrer ce que c'est qu'être un dresseur. Eh ben, moi aussi. Je joue à Pokémon depuis les versions rouge et bleu. Donc, je sais ce que c'est que d'être un dresseur. Allez, charge. Yes! Ouh, 69 points d'expérience, ce qui l'amène au niveau 7. Vous avez battu Dresseur Flora. Waouh, c'était génial, Atom. Tu as beaucoup de talent. Atom remporte 300 Poké-Dollars. Et sans utiliser de potion. Maintenant, je crois savoir pourquoi mon père garde un œil sur toi. C'est vrai, tu viens juste d'avoir ce Pokémon. Et il t'aime déjà. Tu peux peut-être nouer des liens avec n'importe quel type de Pokémon. Bon, il est temps de retourner au labo. Bon, déjà, je vais aller soigner mes Pokémon. Hein. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Oui, pour la troisième fois. C'est un peu pour ça que je viens. Ouais. Et salut. Atom, par là, vite, au laboratoire. Ça va? Allez, on retourne au laboratoire. Oh, bonjour Atom. Il paraît que tu as battu Flora. Belle performance, tu as remporté ton premier combat contre un dresseur averti. Flora m'aide beaucoup depuis bien longtemps. Flora m'aide beaucoup depuis ses études, ouais, depuis bien longtemps, c'est mieux, oui. Flora a déjà de l'expérience comme dresseur. Tiens, Atom, j'ai commandé ça pour mes recherches, mais je crois que ce Pokédex sera plus utile qu'à moi. Atom reçoit le Pokédex. Le Pokédex est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou attrapés. Flora emmène le sien partout. À chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans son Pokédex, Flora vient me chercher sur le terrain pour me le montrer. Oh, c'est super, Atom. Toi aussi, tu as un Pokédex. C'est génial, tout comme moi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Des Pokéballs! Atom met Pokéball à la poche. Ball. Tu verras, c'est marrant d'attraper plein de Pokémon. Je vais aller explorer un peu la région parce que je veux d'autres Pokémon. Si je trouve des Pokémon mignons, je les attraperai avec des Pokéballs.
Eh bah, fais-le, vas-y. Mais ce serait pas la fin d'épisode parce que on est déjà à 20 minutes de vidéo. Alors merci d'avoir regardé le premier épisode du Let's Play sur Pokémon Ruby. Il y aura certainement un Let's Play sur Pokémon Saphir Alpha. Et merci d'avoir regardé ce Let's Play, ce premier épisode encore une fois. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi visiter mon Ask, me poser des questions sur Ask ou dans les commentaires évidemment. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Twitter. Allez, salut!